Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à tracer des traits droits. Pour cela, il te faut une feuille blanche, une règle et un crayon de bois. Donc, je vais te montrer comment bien positionner la règle, comment bien la tenir avec tes mains. Tu vas prendre le crayon avec la main avec laquelle tu écris. Et avec l'autre main, tu vas tenir ta règle. Alors, tu peux la tenir de plusieurs façons. Pour ne pas qu'elle bouge, on met bien ses doigts au milieu. On appuie assez fort pour ne pas qu'elle bouge. Ou tu peux aussi la tenir comme ça en mettant ici ton pouce et là les autres doigts. Je décide de mettre mes doigts comme ça. Je prends mon crayon. Je mets la pointe contre la règle. Tu dois toucher la règle, la sentir. Et glisser doucement le long de la règle pour avoir un joli trait bien droit. Attention quand tu vas positionner tes doigts. Il ne faut pas que les doigts dépassent. Sinon, on va voir la trace de tes doigts sur le trait. Il ne sera pas droit. Donc, attention à bien tenir aussi ta règle pour ne pas qu'elle bouge. Si tu mets ta main ici et que tu la tiens pas très fort, en traçant ton trait, elle risque de bouger. Et tu vois, le trait ne sera pas droit. Donc, tu peux maintenant t'entraîner à tracer plein de traits sur ta feuille. Tu peux prendre différents crayons pour changer les couleurs, tu peux faire des traits qui se croisent, des traits qui ne se croisent pas, des petits, des grands. Un autre exercice pour t'entraîner, tu peux dessiner un point. Et le travail, ça va être de tracer des traits qui passent par le même point. Tous les traits doivent toucher ce point. Donc, tu positionnes bien ta règle. Tu peux commencer un premier trait et là tu peux tourner ta feuille. Tu repositionnes bien ta règle sur le point et tu continues comme cela à tracer plein de traits qui passent tous par le même point. Et ça va te faire une jolie étoile. Je te propose maintenant d'imaginer un dessin qui ne sera fait que avec des traits droits, donc avec la règle et un crayon de bois. Qu'est-ce que tu peux dessiner? Tu peux dessiner une maison, tu peux dessiner un bonhomme, tu peux dessiner un poisson, un bateau, une fleur, un château. C'est toi qui décides. Tu imagines ce que tu veux, mais tous les traits de ton dessin doivent être faits à la règle. Tu as reconnu ce que je suis en train de dessiner? Je suis en train de dessiner une maison. Tu vois, je bouge ma règle. Je peux aussi bouger ma feuille pour m'aider. Tous les traits de mon dessin sont faits à la règle. Ce sont tous des traits droits. Allez, je te laisse à toi d'imaginer ton dessin et n'hésite pas à les envoyer pour qu'on puisse regarder et observer vos jolis dessins faits à la règle.